beaucoup de bruit. On vous accompagnera d'ailleurs en musique. Voilà, je crois qu'on peut les applaudir d'ores et déjà. Elles vont rentrer dans le tunnel. Ça va être chaud, on a du côté des partenaires. Attention à la première rencontre. Une rencontre qu'on attend avec grande impatience. L'équipe de Russie face à l'équipe de la Belgique. Allez, voilà les joueuses qui rentrent sur le terrain. Les Russes contre les Belges. On est dans le challenge Chantal Kotz. Deux équipes qui ont gagné leur premier match. Alex, les Russes contre l'équipe de France et la Belgique. Non, c'est la Belgique contre l'équipe de France. Non, c'est la Belgique contre France Développement et les Russes contre la sélection d'Île-de-France. C'est bien ça. On devrait avoir une grosse opposition de style. On a vu l'équipe de Belgique qui déplace énormément le ballon, qui fait vivre le ballon avec une très bonne qualité de passe. Et derrière, de l'autre côté, cette équipe russe qui va énormément chercher le défi physique. Ça devrait promettre une belle rencontre. Et le coup d'envoi qui est donné par les Russes. Coup de pied long. Bien capté là par la joueuse belge. Et tout de suite, grosse défense, on vient gratter. C'est bien nettoyé par les Belges. Et la défense russe, hein, ouais, tout de suite, qui est présente. Allez, les Belges qui s'en sortent bien là. Si ça peut envoyer au large. Ouais, elle résiste bien au plaquage, elle peut libérer son ballon. Ah, mais là, côté gauche, il n'y a pas de solution, il faut repiquer au centre, elle n'a pas le choix. Allez, les Belges toujours à l'attaque. Ils sont pas sortis de leur camp encore, hein, depuis le coup d'envoi. Oui, c'est une très belle possession russe qui pour l'instant ne perd pas le ballon. Ouais. Plaquage haut, dit l'arbitre. Les Russes sont pénalisés. Les Belges en profitent pour avancer encore. Ah voilà, ça c'est bien fait. On va rechercher l'autre côté. Il doit y avoir des espaces. Ah, une défense russe qui est assez terrible. Et les Belges qui trouvent pas la solution là. Il y a un en avant. Une première possession de balle intéressante. On a vu l'équipe de Belgique qui a déplacé énormément le ballon. Et cette équipe de Russie qui pour l'instant en défense est bien installée. Elle concède peut-être un petit peu de terrain, mais pour l'instant elle offre pas de possibilité à cette équipe de Belgique de pouvoir franchir. Il faudrait peut-être un petit peu alterner le jeu pour cette équipe belge.
et pas faire que du large. Allez, ça continue, l'arbitre laisse jouer. Oh, le 1 contre 1 qui gagnait sur l'extérieur, ça va jouer à la course maintenant. Est-ce qu'elle va pouvoir finir? Alors, ça ira pas au bout, elle est reprise. Ah, mais le retour intérieur, ah, c'est bien joué ça. Grosse condition physique là, par rapport à son adversaire, qui n'a pas réussi à la suivre. Et du coup, elle aplatit entre les perches. 5-0 pour la Belgique, transformation à suivre, ça devrait pas poser de difficultés. Et le premier esquin inscrit par Margot Pierceau. Et malgré cette grosse défense de l'équipe de Russie, on a vu l'équipe de Belgique qui a été patiente et qui a réussi à trouver des solutions. La transformation est passée, 7-0 pour la Belgique. Allez, coup d'envoi de la Belgique. Elles seront pas présentes au point de chute. Allez, les Russes à la contre-attaque. Ah, c'est dommage. La passe dans le dos. Joué l'arbitre. Ah, on considère qu'il y avait ruck. Et les Russes qui repartent. Ouais, la passe après contact, là c'est bien fait ça. La numéro 11 qui peut transmettre. Allez, attention, si le ballon arrive à sortir vite, il y a du monde sur les extérieurs. Ah, mais là ça fait un petit peu loin. On assistera. Faute de main. C'est dommage pour cette équipe de Russie. On avait réussi à fixer la défense belge. Si la transmission était assurée, il y avait un 3 contre 2 sur les extérieurs. On aurait eu une possibilité de marquer. Malheureusement, il y a une petite faute de main qui a été commise. Et on va rendre du coup le ballon à la Belgique. Allez, une mêlée dans les 22 mètres. Introduction pour la Belgique. Allez, ça sort très très vite. Hein. Et on cherche tout de suite les extérieurs chez les Belges. Nouvelle faute de main. L'arbitre, ouais. Qui signale en avant. Et là, par contre, mêlée très dangereuse parce que vous le voyez juste devant les poteaux. Et cette fois, l'introduction sera pour la Russie. Ouais, les Russes qui, sur chaque point d'impact, gagnent les duels, arrivent en défense faire reculer cette équipe belge. Et quand elles ont le ballon, elles arrivent à avancer sur les points d'impact. Si près de la ligne d'en but, ça sent mal pour cette équipe de Belgique. Ouais, on va voir ce que ça donne. Ça sort très vite, ouais, la demi de mêlée qui a voulu y aller toute seule. On est tout de suite au contest. Très bien joué. La demi de mêlée qui s'est un petit peu isolée. Et ça a permis à cette équipe belge de pouvoir contester le ballon dans le ruck. Le score 7-0 pour la Belgique. Allez, les Belges qui repartent depuis leurs 22 mètres. On joue sur la largeur. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu plus. Voilà, c'est libéré rapidement. Allez, on est bien placé sur la largeur. On a énormément de profondeur. On va pouvoir mettre de la vitesse derrière. Ah, le jeu au pied en alterne, c'est pas mal ça. Ça va sortir. Mais malheureusement, c'est une munition qui est rendue aux Russes. Et c'est déjà la mi-temps. Le temps il est passé super vite. Du beau jeu proposé par les deux équipes.
Allez, on fait une courte pause et puis on se retrouve tout de suite après pour la deuxième mi-temps. En région Centre-Val de Loire, on dit que les jardins ont des secrets. Les secrets de l'histoire de France. Les secrets de la douceur de vivre. Des secrets qu'on se dit à l'oreille. Les secrets des vieilles pierres. Les secrets de la nature. Les secrets de la culture. Nature et culture, l'exceptionnelle rencontre. Région Centre-Val de Loire. Les Allez, on est de retour. C'est toujours la mi-temps ici au stade de la Vallée du Cher pour ce tournoi challenge de Chantal Kotz, le challenge féminin. Et ce sont les Belges qui dominent dans cette rencontre, 7-0. Ouais, on les voit énormément porter le ballon, elles jouent énormément sur la largeur. Et pour l'instant, ça pose quelques soucis à cette équipe de Russie. Et c'est pas à cause de la défense, hein, parce que niveau défense, les Russes ont réussi à cantonner les Belges dans leur camp, et il a fallu une incursion sur de la vitesse et puis un plaquage manqué pour que les Belges aillent à l'essai. Mais en dehors de ça, si les Belges ont la possession de la balle, elles l'ont, mais dans leur camp. Oui, mais... C'est ça qui est important, le principal c'est d'avoir le ballon, c'est quand on a le ballon on est sûr de ne pas prendre d'essai en tout cas, donc plus on aura la possession, plus on aura de chances de gagner le match. Et les Belges qui donnent le coup d'envoi de cette seconde période directement dans les bras russes. Allez, attention, le raffut là. Un russe qui a énormément de vitesse. Le ballon qui est libéré rapidement. Ça joue la joueuse là, numéro 11 qui est lancée, qui va pouvoir accélérer, qui sera par reprise et qui va aller à l'essai. Superbe. Une très belle entame hein, de cette équipe de Russie. Et c'est l'essai inscrit par la numéro 11, Snelia Pozdeva. Et l'équipe de Russie qui recolle au score avec une transformation assez facile qui devrait être réussie en face des poteaux. C'est fait. Et on voit hein, deux styles de jeu vraiment différents. Autant les Belges qui n'hésitent pas à faire des passes et aller d'une largeur à l'autre. Et là, on vient de le voir, l'équipe de Russie. Une largeur attaquée derrière des joueurs qui viennent avec des joueuses pardon, qui viennent avec énormément de vitesse et des courses rentrantes. Et qui viennent prendre à défaut cette défense de Belgique. Ouais, les Russes ouais, qui sont beaucoup plus dans la percussion. Allez, les Belges qui écartent. On revient. Ça ne passe pas à droite, on essaye à gauche. Oh le travail. Cadrage débordement sur l'extérieur. Ouais, on arrive à jouer l'eau dans l'axe. Bien reprise là. Et les Belges qui avancent petit à petit. Elles ne s'affolent pas. Et vraiment c'est impressionnant. La qualité de passe hein, du côté de la Belgique. Ouais, ouais. Attention de ne pas s'isoler là. Attention au contre-roc du côté des Russes. Le ballon qui est sécurisé. Allez, les Belges encore à l'attaque. Si, oh, le plaquage qui est manqué. Est-ce qu'elle va pouvoir aller au bout? La numéro 3 qui revient fort. Ouais, c'est bien repris. Ouais, mais il y a du soutien. Super baissé des Belges. Vraiment une équipe de Belgique impressionnante. Ouais.
pour l'instant, même si elles ont été prises à défaut sur le retour de la seconde période, pour l'instant elles sont vraiment intéressantes dans ce qu'elles proposent. Bel essai collectif, hein, avec du soutien. On a eu énormément de temps de jeu, hein, sur cette action. Et patiemment, hein, cette équipe de Belgique qui, en se faisant des passes et en déplaçant la défense sur la largeur du terrain, qui arrive à trouver des solutions. Et la transformation qui passe. 14 pour les Belges, 7 pour les Russes. Comment les Russes vont-elles réagir? On revoit ici l'action, hein, avec le plaquage de la numéro 3 et la transmission pour la joueuse numéro 8 qui va aller aplatir malgré le plaquage adverse. Et du coup, l'essai a été inscrit par Margot Lallier. Allez, les Belges qui jouent ce renvoi. Et ce sont les Russes qui ont la balle. Que vont-elles en faire? On cherche à casser, hein, le premier rideau. La première intention côté russe, c'est ça. On casse le premier rideau et après on verra. Malheureusement, elles commettent un en avant. Et une très bonne défense de l'équipe de Belgique qui récupère le ballon et qui valide l'essai qu'elles viennent d'inscrire. Et elles vont avoir une possession là pour prendre un essai d'avance. Possession importante, du coup, pour l'équipe de Belgique. Allez, c'est vite sorti. Voilà, on envoie au large. Attention, la joueuse là qui... Non, c'est bon, il y a du soutien. Et le ballon qui tarde à sortir et qui est repris. Eh oui. La joueuse... russe là qui n'est pas sortie de la zone de plaquage. Et la pénalité qui a été jouée vite du côté belge. La joueuse russe qui s'est pas replacée à 10 mètres et du coup... logiquement sanctionnée, elle va le prendre un carton jaune et ça va devenir compliqué, hein, pour cette équipe de Russie qui se retrouve à 6 contre 7 alors qu'elles étaient menées 14-7. C'est mal embarqué pour la fin de ce match. Allez, là. Dommage, hein, pour cette équipe belge, on avait réussi à trouver des solutions. Malheureusement, un petit peu précipitamment, il y a une joueuse qui est venue couper la course de sa partenaire et qui est passée à vide. Pénalité logique, hein, pour cette équipe de Russie. Allez, les Russes à 6 contre 7 qui vont tenter d'égaliser. On évite la touche côté russe, mais ce sont les Belges qui vont en profiter. Il y a un surnombre. Allez, faut pas se faire prendre avec le ballon. Attention, pas se faire prendre. Voilà, c'est bien joué. Encore faire vivre. Ah, on n'arrive pas à finir. C'est pas grave, la conservation va être assurée. Derrière, il faut finir l'action. Voilà, c'est bien fait. L'arbitre qui a laissé se poursuivre l'action, il m'avait semblé qu'il y avait eu un petit en avant sur l'échange de balles entre les joueuses belges. Mais l'arbitre était plus près que moi pour le voir. On revoit l'action au ralenti, la numéro 3. Voilà, qui va transmettre à la numéro 9. Qui est bien reprise là, hein, quand même, par la défense. On aurait pu finir cette action un petit peu plus facilement, hein, du côté de la Belgique, mais bon, on a réussi à inscrire l'essai de la part de Evelyne Rosier. Et la transformation qui est tentée et qui passe. La Belgique qui prend encore un petit peu plus d'avance. Ça fait 21 à 7, pardon, pour les Belges. Et le match qui se termine là, vraiment, alors c'est pas une démonstration de l'équipe de Belgique, mais c'est un match vraiment dominé de bout en comble. Ouais, c'est... Elles ont su être patientes, trouver les ouvertures, profiter des fautes de leurs adversaires et concrétiser tout ça au score. Donc, comme tu le disais si bien tout à l'heure... Voilà, elles avaient la possession du ballon, donc comme tu le dis, hein, quand on a le ballon, bah, au moins on prend pas d'essai. Et on peut même en marquer, c'est ce qu'elles ont fait. Ouais, c'est important, elles ont la possession du ballon, mais elles arrivent à très bien l'utiliser. Pour l'instant, vraiment un jeu de passe qui est
au-dessus de la moyenne en tout cas sur ce tournoi. Et elle valide une deuxième victoire en deux matchs. On les avait vus remporter leur premier match contre l'équipe de France à 7 développement. Et là, elle confirme avec une deuxième victoire contre la Russie. Allez, le match suivant, d'ici une petite dizaine de minutes, on retrouve nos jeunes de moins de 17 ans. Ce sera la sélection française numéro 1 contre la sélection française numéro 3. En attendant, on fait une pause et on se retrouve dans une petite dizaine de minutes. A tout de suite. Bad, c'est bien, bro. Continue comme ça, bro. C'est bon.
Ce n'est pas le monde qui avance, c'est vous qui le faites avancer. C'est vous l'avenir, Société Générale. Allez, nous voilà de retour au stade de la Vallée du Cher pour ce match qui va opposer donc les jeunes de moins de 17 ans, la sélection française numéro 1 en bleu face à la sélection française numéro 3 en rouge. Et ce sont les rouges qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre dans une poignée de secondes. Les joueurs sous les ordres de l'arbitre. C'est parti. Allez, un coup d'envoi donné très haut, très loin. Et tout de suite, oh là là, la passe magnifique là dans la course. Allez, le joueur bien pris par son vis-à-vis. En écarte, il y a un petit surnombre à jouer sur les côtés. Là, ça va vite. On perd pas de temps, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Très bien joué, le retour intérieur. Ah, le numéro 22 là qui fait jouer sa vitesse de pointe et qui va aller dans l'embut. Alors on avait pu le voir, hein, sur les premières rencontres, et là dès la réception de balle il arrive à remettre de l'avancée sur son équipe et il est en plus à la conclusion de l'action. Matteo Gentieux donc qui inscrit ce premier essai pour la sélection France de moins de 17 numéro 1. Avec une transformation pas évidente. Elle est manquée, hein. C'est Alexandre Pérez qui a tenté ça. Malheureusement, ça passe à côté. Mais c'est pas grave, ça fait 5-0 pour la sélection France 1. Allez, la remise en jeu pour le 9, Alexandre Pérez. Un coup de pied très haut, très court. Ouais, mais il faut le trouver. Du coup, mais bon, il est joué par les rouges. Et oui. Éviter ce à quoi on a pu assister en début d'après-midi, hein, avec des joueurs qui ne jouent pas le ballon parce que leur envoi est trop court. Sauf que l'adversaire le joue. Et là, ce sont les rouges qui vont à laisser. Et la réponse, hein, tout de suite, du numéro 22 aussi, Logan Tabé. Pour une réduction du score, on est à 5 partout avec une transformation assez facile à réaliser. Ouais, permettre aux rouges de prendre l'avantage. C'est fait, 7-5 pour la sélection numéro 3. Et la sélection française numéro 3, hein, qui a répondu tac au tac. Oui, le rythme est très élevé sur ce match. Surtout tous les matchs, hein, des jeunes qu'on a pu voir, moins de 16 et moins de 17. Allez, encore un renvoi long. Et c'est les bleus qui ont la balle, on écarte bien là. Allez, peut-être revenir intérieur, chercher du soutien. Ça repart. Libération rapide. Oh là 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 là. Ouais, des changements d'appui magnifiques. Ah, dommage, on aurait pu faire jouer là au lieu de venir au soutien. On aurait pu servir de relayeur. Allez, le 14 qui s'arrache pour libérer son ballon proprement. Ouais, le 22 encore qui s'échappe. Ouais, qui parvient à transmettre, on sait pas trop comment, mais toujours est-il qu'il a réussi. Et les joueurs bleus qui n'ont qu'une obsession, c'est aller de l'avant, hein, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils cherchent à passer. Allez, on revient un petit peu en arrière. Et on regarde au créneau de décalage. Magnifique le cadrage débordement. Alors là, un geste d'école. Le numéro 9, Alexandre Pérez. Magnifique, hein. Qui a pu nous montrer, hein, toutes ses qualités d'appui et de vitesse. Contre un drôlement mené. A montré dans toutes les écoles de rugby, hein, cette séquence là. Malheureusement pour les moins de 17 de la sélection numéro 1, c'est le numéro 16, hein, qui va sortir sur une blessure. Lucas Rodi, hein, qui
qui sort, qui a été secoué sur un des rucks précédents. Allez, c'est reparti. Un coup de pied très haut qui est récupéré, mais en avant, signalé par l'arbitre. Donc ce sera une mêlée avec introduction pour la sélection numéro 3. Et une occasion pour eux de recoller au score. Est-ce qu'on va encore avoir une réponse du tac au tac, hein? Début de la rencontre, les bleus qui ont marqué direct, les rouges qui avaient répondu sur l'action suivante. Et donc là, l'équipe bleue qui vient de marquer, est-ce qu'il va y avoir une réponse? Grosse poussée en mêlée. Une transmission un peu approximative. Donc là, il va falloir, pour marquer, il va falloir voilà, quelque chose comme ça. Par exemple, un exploit individuel. Allez, attention, le numéro 11 qui revient fort. Ah oui, mais il slalome bien. Il y a du soutien. Ah, dommage, ça passe qui est mal ajusté. Allez, ça joue l'arbitre. Ouais, il y a du surnombre et ça va y aller. Cette fois, c'est la bonne. Ah, un petit peu chanceux, hein, le numéro 21 qui s'était séparé un peu du ballon rapidement. Avec une passe qui était pas assurée. Heureusement pour eux, on arrive à récupérer le ballon derrière et à continuer à faire jouer les partenaires pour trouver une solution. C'est transformé sans difficulté. Les rouges ont eu le mérite de suivre l'action. Hein. Voilà, on revoit la course du 21 qui repique très intelligemment au centre, hein, et qui désaxe un petit peu son défenseur. Et après, effectivement, le geste. Bon, il était un petit peu tenu par le maillot. Voilà. Oula, qu'est-ce que. Oh, c'est bien joué ça. Ah oui, c'est magnifique. C'est vu à l'entraînement, c'est travaillé ça. Hein, je sais pas, mais en tout cas, intelligence de jeu, hein, de la part du numéro 24, Antoine Domerck. Ouais. Pour un essai conclu, hein, par le numéro 15, Lucas Chaudanzon. Ça, c'était pas mal, ouais. Effectivement, c'est original. Et attention à pas se faire reprendre deux fois. Hein. Ouais, non, là, je pense que. Allez, les attaquants qui sont partis un petit peu avant le coup d'envoi, il va y avoir un coup de pied franc au milieu du terrain. C'est rapidement joué par l'équipe bleue. Allez, les bleus qui ont donc du retard à combler. Le numéro 22 là qui s'arrache, qui conserve bien, qui libère. Allez, il faut écarter les gars. Allez, c'est la dernière action, vous avez entendu la sirène. Voilà, et ça colle. Oh non, quel dommage. Cette transmission approximative là. Ouais, c'est pas fini, on relance de son en but. Est-ce qu'il va y avoir un essai de 100 mètres? Ça va jouer à la course, pour l'instant on va être repris. Je pense que les joueurs... non, il y en a un qui a encore de l'oxygène apparemment dans les poumons. Ah, l'arbitre, que dit l'arbitre? Qui siffle et qui revient. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Allez, pénalité pour les bleus. Ah, il y a eu un contact apparemment entre deux joueurs rouges. Allez, donc petit sursis pour les bleus. Et la sirène qui a retentu, hein, depuis une petite minute. Ça va commencer à piquer les organismes. Ah ouais. Attention à pas se coucher, hein, là pour le gratteur sur le ballon. Il n'y a personne ici, on va jouer de l'autre côté. Ah mais là, il n'y a pas de solution. La défense des rouges est bien en place. Il y a un en avant volontaire. Allez, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire, entre guillemets. On fait une courte pause et puis on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième mi-temps. Je vous rappelle le score 21 pour les bleus, 12 pour les rouges. A tout de suite. Alouette, Tours, 90-1, Alouette. On est venu à Tours, on arrive des Deux-Sèvres.
Tu as bien bossé ton interview. Spécialement pour le tournoi à Badminton. Tout à fait. Tu n'en dis pas assez. Vous êtes là, vous allez participer ou pas? C'est une sortie de fin de saison et on va jouer demain. Quel est le nom de l'équipe? Les Roquettes. Les Roquettes sont les favoris de moi. Voilà. Merci beaucoup, les filles. Merci, Karine. Merci. Bon courage pour demain, votre chat. Petit tour une nouvelle fois du côté du carré des partenaires qui nous font le plaisir d'être à nos côtés. Voilà, avec le président, monsieur le président, bonjour, monsieur le président du comité. Un petit mot juste avant la reprise du match. Ce tournoi est un événement très important et pour le département et pour la région. Oui, forcément, c'est un événement qu'on attend avec impatience depuis des années parce que... Allez, on est de retour pour cette deuxième période. Match qui oppose la sélection française numéro 1 à la sélection française numéro 3 dans ce challenge des moins de 17 ans. Alors, on le précise hein, pour ceux qui suivent le tournoi avec nous. On vous en remercie d'ailleurs. Les numéros de sélection n'ont rien à voir avec le niveau des joueurs hein. C'est ce qu'on a pu avoir comme information. La sélection France 1 n'est pas plus forte que la 2, la 3 ou la 4. Les joueurs sont mélangés. Ils ont fait un groupe de 50 joueurs à peu près. Et puis ils ont composé plusieurs équipes avec ces joueurs là. On a pu échanger avec un des entraîneurs. Et ils sont en train de préparer le championnat d'Europe qui aura lieu l'année prochaine si je ne me trompe pas. Et dans 2 ans exactement, il y aura les Jeux Olympiques de la Jeunesse qui auront lieu. Et vu que le rugby à 7 est maintenant un sport olympique, on est à la recherche d'un maximum de monde. Allez, pendant ce temps-là, ce sont les Rouges qui jouent avec une tentative de coup de pied à suivre, mais qui n'a rien donné. Et ce sont les Bleus qui partent à la contre-attaque. Le numéro 22 qui s'engouffre. Ah, il va aller au bout, pas de problème, il ne sera pas repris. Allez, un petit essai entre les poteaux. Et c'est le doublé hein, pour Mathéo Gentieux. Et je ne sais pas si c'est le numéro, mais en tout cas, les deux numéros 22 hein, qui, pour l'instant, depuis le début de la partie, se font plaisir. Allez, 19 pour la sélection française numéro 1. 21 pour la sélection française numéro 3. C'est très serré. Un coup d'envoi important. Il serait judicieux ouais. Hein, pour cette équipe bleue de le récupérer. On va le voir. Est-ce qu'ils vont être à la retombée du ballon avec le numéro 7? Et ce sont non. Les Rouges qui l'ont. Dommage. Hein, ça leur aurait donné une munition de plus. Mais ils vont devoir défendre pour récupérer le ballon. Allez, le 21 là qui accélère. Oh oui, il y a du soutien. Ouais, il est bien pris par son défenseur là, il n'a pas pu transmettre le ballon. Allez, le soutien qui tarde un petit peu et qui finit par arriver. Oh oui, il a vu qu'il y avait le trou. Ouais, mais attention, ça revient. Oh, il échappe au plaquage, magnifique. Magnifique essai du numéro 11, Éric Boussard. Voilà, donc malgré un essai encaissé, bah, les Rouges... conservent leur avantage. Dommage pour cette équipe bleue. On s'était fait briquer et il y a eu un gros retour du numéro 11. Voilà, la transformation qui réussit avec l'aide du poteau. Et là, on voit la belle course hein, du numéro 25. Allez, 28 pour les Rouges, 19 pour les Bleus. Encore un petit peu plus de 4 minutes à jouer. Les joueurs se donnent, hein. Les joueurs s'envoient. Allez, ils partent encore trop tôt. D'envoi. Ça fait 2 fois qu'ils sont pénalisés pour ça, hein, les Rouges. Hein. Ouais, c'est des fautes assez bêtes. On rend des ballons facilement à l'adversaire et derrière, il y a sanction. Voilà. Et c'est le numéro 9, Alexandre Pérez, qui file derrière l'embut.
et qui permet à l'équipe de France sélection numéro 1 de revenir au score. Ça fait plus que 26 à 28. Ouais. 26 à 28. Allez, si on veut avoir une chance de passer devant au score, il va falloir récupérer ce qu'on envoie. Non, malheureusement, c'est pas fait. Il va falloir une bonne défense hein, de la part des Bleus si on veut espérer la victoire. Ah, mais les rouges là. Bon, le numéro 12 qui tient la balle. Comme un Fidjien à une main. C'est ça. Et malheureusement, derrière, on se le fait piquer hein, au grattage. Très bon grattage hein, de. Ah, les Bleus, ouais, les Bleus qui. Qui repartent. Ouais, le numéro 3 qui voit bien qu'il est isolé. Il passe par le sol. Il n'y avait que ça à faire. Allez, il y a un surnombre large là. Ah, c'est peut-être un petit peu. C'est dommage, hein, le jeu au pied qui était intéressant, mais un petit peu avant. Ouais, moi j'aurais pas fait ça, tu vois. Moi qui. Non. Le jeu au pied, non, je. Non. À ce moment-là, ça avait été lu par la défense. Et du coup, le défenseur qui était en plein repli défensif, mais si on utilisait ce jeu au pied. Un petit peu plus tôt, il y a des espaces qui étaient libres et on aurait eu une position de marquer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Allez, ça donne une cartouche pour les rouges, en tout cas, avec une belle prise de balle sur ce lancer. Et les rouges qui... Ouf. Belle course là, il repique intérieur. Ah, dommage. Allez, c'est les bleus qui peuvent repartir en avant. L'arbitre... L'a bien vu, il le signale. Allez, le numéro 14. Oui, il a moins de 17 ans. Sinon, il serait pas là. De beaux gabarits déjà à cet âge. Hein. Allez, la mêlée, introduction... pour le numéro 23, Marius Daumont. Une très bonne défense. Hein. Des maillots bleus qui devraient récupérer le ballon. Mais non, c'est une pénalité sifflée pour hors-jeu. Ouais, il a joué trop malheureusement... vite. Voilà, en avant. C'est dommage, on se précipite un peu. Hein. On est en train de mener au score 26-28. On est sur une fin de partie. Il restait une minute. On aurait peut-être pu occuper le camp adverse en allant chercher... une touche, mais c'est un ballon joué vite et un petit en avant, ça va rendre une dernière cartouche à l'équipe bleue. Ah, s'ils perdent sur cette action, là, les rouges, ils vont pouvoir se les mordre. Allez, le numéro 9, là, qui se faufile. Allez, il y a une bonne protection, là, le numéro 20, qui tente de passer en force, qui commet un en avant. Alors, un plaquage sanctionné immédiatement par l'arbitre. Oh, il y a un joueur qui est resté bloqué, qui est au sol. Non, il se relève. C'était une blague. Il a fait croire qu'il a eu mal. Bichette. Allez. Ça repart là, les bleus. Allez, attention. Allez, il y a du soutien, il est pas tout seul, ça va aller au bout. Et ça sera une victoire des Bleus. Vous avez entendu la sirène qui a retenti, signalant la fin du temps réglementaire. Et c'est un essai de Julien Rouet, et qui est très très performant depuis le début de ces rencontres moins de 7. On le voit très actif hein, depuis le début de les rencontres cet après-midi. Allez, c'est transformé. Victoire des Bleus finalement, 33 à 28 pour la sélection France 1 des moins de 17 ans. On a vu une belle rencontre hein, avec un score large des deux côtés. Ouais, très équilibré avec des styles différents. Et des équipes qui se sont rendues coup sur coup. Ouais, c'était vraiment très, très, très agréable à suivre. Le match suivant, on vous l'annonce tout de suite. Donc ça sera la sélection française numéro 2. Donc toujours chez les moins de 17 ans, chez les garçons de moins de 17 ans, face à la sélection numéro 4.
Et juste après, donc ce match qui est à 20h55, et juste après à 21h20, on finira notre première après-midi ici au Wardington avec un match du challenge Chantal Coates 7, donc le challenge féminin qui opposera l'équipe de France universitaire à l'équipe de France 7 développement. Voilà, match, tout de suite. Match franco-français, voilà. Allez, à tout de suite pour le deuxième match des sélections des moins de 17. En région Centre-Val de Loire, on dit que les jardins ont des secrets. Les secrets de l'histoire de France. Les secrets de la douceur de vivre. Des secrets qu'on se dit à l'oreille. Les secrets des vieilles pierres. Les secrets de la nature. Les secrets de la culture. Nature et culture, l'exceptionnelle rencontre. Région Centre-Val de Loire. C'est bon.
Allez, de retour au stade de la Vallée du Cher. Avec l'entrée sur le terrain des deux équipes, l'équipe de la sélection française numéro 2 et l'équipe de la sélection française numéro 4 de ce challenge moins de 17 ans. Et c'est l'équipe 4 qui évoluera en noir sur votre droite qui va donner le coup d'envoi. Et allez, c'est parti. Allez, un coup de pied très haut, très court. Voilà, on revient un coup franc au centre du terrain. Et donc la sélection française numéro 2 qui part à l'attaque. Avec un bon raffut là. Allez, ça écarte. Ah oui, oh là là, le changement d'appui là du numéro 11, là, magnifique. Ouais, dommage. Hein. Ouais, erreur, faute de main. Bonne première possession hein, de cette équipe de France 2 en blanc qui malheureusement est avortée avec un petit en avant. Ça va rendre le ballon à l'équipe de France sélection numéro 4 et qui va devoir repartir de loin. Elle est située à 10 mètres de sa ligne. On va voir s'il décide de jouer à la main ou alors d'aller occuper le camp adverse. Hein. Pour l'instant, sur cette équipe blanc, il n'y a pas de deuxième ni de troisième rideau. Ouais, ça part petit côté, mais le portail s'est vite refermé. Voilà, fin de passe là du 25, c'était bien joué ça. Ah, par contre, la course va être un petit peu longue. Ah, il a rendu la balle à ses adversaires. Et du coup, c'est les Blancs qui repartent à l'attaque. Est-ce que ça va pouvoir aller au bout? Attention, s'il résiste au plaquage. Pour l'instant, il n'y a pas de soutien. Et le gratteur qui devrait être récompensé. Voilà, et c'est le cas. Bien vu. Allez, faut jouer là. Le ballon toujours en possession des Noirs qui cherchent à sortir de leur terrain, de leur camp, mais qui n'y parviennent pas. Grosse pression défensive hein, des Blancs qui ne lâchent rien. Et cette fois, ce sont les Noirs qui sont pénalisés. Ouais, on garde le ballon au sol, le gratteur qui a été présent, hein, qui a été rapide sur la zone. Allez, les Blancs qui repartent à l'attaque. On passe par le sol. Ouais, il y a du monde à droite, il y a du surnombre. Ouais, la fin de passe, et il va plonger dans l'embut, et l'essai est accordé. Et le premier essai inscrit par le numéro 13. Pour l'équipe de France 2, Kélian Boisnier. Et qui va donner l'avantage hein, à son équipe. Pour l'instant 5 à 0 avec la transformation à suivre sur la ligne des 15 mètres. Ah, c'est le marqueur d'essai qui tente lui-même cette transformation, qui la passe sans problème. 7-0 pour les Blancs. France sélection numéro 2. Et le coup de renvoi va être effectué par l'équipe Blanc. Il est très haut, il sera un petit peu trop court. Du coup, on va partir sur un coup de pied franc au milieu du terrain pour l'équipe au maillot noir. Allez, tout de suite la jouer, non. C'est dommage, on attend que la défense se replace correctement. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Allez, le petit pas de gazelle là, le numéro 25. Cela slalom bien, il y a du soutien. La passe après contact, en avant du numéro 12.
Dommage, hein. Individuellement, on avait réussi à créer des différences par le numéro 24. Malheureusement, derrière, passe pas assuré. Et du coup, c'est un ballon rendu à la sélection France numéro 2. Allez, les Blancs là qui sortent le ballon rapidement, qui envoie côté opposé. Allez, le numéro 22 là qui faire est... jouer, faire jouer. Allez, maintenant mettre de la vitesse, il y a des espaces. Voilà, c'est bien fait. Attention, hein, pas sortir, ouais. Bien rester sur le terrain, pas perdre le ballon. Ouais, voilà, il parvient à conserver encore la balle. Magnifique. Ouais, c'est chouette ce qu'ils font là. Allez, la passe, il n'y a pas de problème. Le numéro 11 qui joue à suivre pour lui-même. Et qui... Et c'est le joueur noir qui est pénalisé. Et on considère hein, que... Il a pas un plaquage sans ballon. Voilà, un petit plaquage sans ballon, juste après le coup de pied. Voilà, du coup, il y a un décalage qui se crée tout de suite. Et c'est les Blancs qui marquent leur deuxième essai. Et c'est dommage. Sur la possession juste avant, on avait une belle avancée de cette équipe au maillot blanc. Malheureusement, on n'a pas pu conclure avec ce petit coup de pied à suivre. Mais grâce à la pénalité, on a pu tout de suite reprendre la possession du ballon. Et en jouant vite, petit côté. Et la transformation qui est réussie. 14 à 0. Et pour l'instant, hein, pour l'instant les deux fois où la sélection française numéro 2 est venue dans les 22 adverses, ils ont su scorer. Allez, cette fois on joue long. Est-ce que le ballon ne va pas aller en ballon mort? Non, il y a le joueur noir qui aplatit avant. Ce sera donc un renvoi au 22. Alors, vu qu'on est sur un coup d'envoi et que le ballon a été aplati alors qu'il était en mouvement, on repart sur un coup de pied franc au milieu du terrain. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est, j'avais oublié que c'était sur une remise en jeu. Allez, voilà, trop de maladresse hein, au niveau des passes du côté des noirs. Et les Blancs en profitent. Ouais, mais là, de ce côté, il n'y a personne. C'est le mauvais côté, à droite. Ouais. C'était bloqué, alors qu'à gauche, il y avait quelques espaces. Ouais, plaquage haut. Et en plus, il sort pas de... Qu'est-ce qu'il fait ? Allez, c'est joué vite par le numéro 13. Allez, ouais, les Blancs, ouais, qui se... Encore une nouvelle pénalité. Décidément. Gros manque de discipline. Hein, là, le joueur numéro 15 qui est exclu. C'est 2 minutes d'exclusion. Hein, c'est 2 minutes, ouais. Le 7. Hein. Exclusion hein, pour un plaquage haut. Allez, le 13 qui réussit à passer après contact. Le raffut du 12 qui va dans l'embut. Pour aplatir le troisième essai donc, de cette sélection numéro 2. Et c'est Adrien Tafamel hein, qui vient inscrire cet essai. Allez, la transformation. Bon, ça devrait pas poser de problème. Ça devrait faire 21. Voilà, qui est fait. 21-0 à la mi-temps. On fait une courte pause. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite du match.
Voilà, en complément de les différentes vidéos que vous avez pu voir sur l'écran géant, on remercie la ville de Tours, le département de la Touraine, la région Centre-Val-de-Loire, Tours Métropole, également les différentes collectivités qui s'associent autour de cet événement. Et puis remercier bien sûr une nouvelle fois les acteurs majeurs, les joueurs qui sont venus en grand nombre. Allez, on se retrouve pour le coup d'envoi de cette seconde période. On rappelle les scores très rapidement. 21 pour les blancs, 0 pour les noirs. 3 essais à rien. Les blancs qui ont été particulièrement efficaces en cette première période. Oui. Qui ont su imposer. Allez, là, c'est les noirs qui ont la balle. Encore une faute de main. Beaucoup de maladresse du côté des noirs. Ça leur a coûté cher déjà en première période. Oui, ils rendent un petit peu trop de ballons à l'équipe adverse qui, heureusement pour eux, arrive à bien les exploiter en allant inscrire des essais derrière. Faudrait faire attention à ne pas recommencer en deuxième période. Et l'arbitre qui a considéré que c'était un blanc, qui avait fait un en avant, du coup le ballon sera pour les noirs. Tout à fait. Ouais, mais il y a une grosse poussée là, mais elle est complètement tournée. Et c'est quand on cherche le petit côté qui parvient à s'extraire et qui file long de ligne. Ouais, mais ça c'est bien fait. Pas perdre la possession du ballon. C'est bien repris. Oh, le plaqueur, est-ce qu'il a lâché? La possession en tout cas reste pour les noirs. Plaquage haut. Allez, ça joue vite. Attention, voilà. On est à l'équilibre, il va falloir faire la différence. Le 1 contre 1. C'est magnifique. Et on va aller essayer. Réduire le score par le numéro 23. C'est pour l'équipe de France 4. Lucas Paulin. 23. Allez, ça récompense un petit peu tous leurs efforts. Et puis, pour le moral, ça fait du bien en début de deuxième période. On rattaque par un essai marqué avec une transformation assez difficile et courte, beaucoup trop court, ouais. Allez, la remise en jeu pour la sélection numéro 4 de cette équipe de France des moins de 17 ans. Voilà, on joue long, on cherche à occuper le terrain. Et c'est les blancs là qui en profitent. Voilà, le numéro 24, ça va vite. Là, sa pointe de vitesse. Est-ce qu'il va pouvoir aller au bout? Eh oui, il y va. Oh, avec le magnifique le plongeon. Et l'arbitre accorde l'essai. Et c'est l'essai du numéro 24, Souleymane Koulibaly. Ouais, c'est dommage pour les noirs hein, parce qu'ils venaient de marquer. Et là, on revoit l'action au ralenti, on revoit le plongeon. Ouais, l'essai est parfaitement valide, hein, y a pas de problème. Et comme tu le disais, sur le retour de cette deuxième période, on pensait à une révolte de la sélection France numéro 4. Mais malheureusement, juste derrière, après avoir inscrit leur premier essai de la rencontre, c'est la sélection France numéro 2 qui réplique. Et qui réussit la transformation en plus. Alors qu'elle était loin d'être évidente, celle-ci aussi. 28 à 5. Ça commence à faire un petit peu lourd. Il va falloir se ressaisir du côté de l'équipe en maillot noir. Allez, le 19 là qui sonne la charge. Il est un petit peu seul malheureusement. Le soutien. Oh, la passe à contact au 14, magnifique. Magnifique, on répond du tac au tac hein, et c'est inscrit par le numéro 14 Mathis Müller. Et ça, c'est avec une grosse différence qui a été faite par le numéro 19 Sacha Palken. Allez, le 14 qui transforme sans problème. 12 à 28. C'est aussi bon pour le moral hein, pour les noirs hein, et
du coup ils se rendent compte que eux aussi ils peuvent le faire et ça peut un petit peu les décoincer. On les sent un petit peu inhibés dans ce match. On a l'impression qu'ils regardent un petit peu jouer leurs adversaires. Et là, sur deux actions, ils peuvent marquer deux essais. Oh, mais là, le numéro 9 qui s'échappe. Oh là là. Ça, c'est terrible. Hein. Ah, c'est terrible, c'est malheureux. Ils font énormément d'efforts, l'équipe en maillot noir, pour aller inscrire des essais et essayer de revenir au score. Et par contre, dès qu'ils rendent la possession à la sélection française numéro 2, bah, ils prennent tout de suite des essais. Et tous les efforts qui ont été accomplis avant, bah, malheureusement, ils l'ont été pour rien. Ouais, parce que la transformation qui passe, 33-12. Voilà, le score évolue, mais l'écart, lui, reste le même. On a toujours ces 21 points d'écart qu'on avait à la mi-temps. Alors, on voit qu'est donné. Et si on fait jouer debout, ça peut aller derrière. Ça va jouer à la vitesse. Il va aller au bout. Oh, l'arbitre accorde l'essai. Et c'est le doublé hein, pour Lucas Paulien. Ouais. Tout de suite hein, sur la remise en jeu. Une réception, une passe. On se rend coup pour coup hein, lors de cette deuxième période. Allez, la transformation qui est manquée. 33-17. Allez, il reste une minute. Ça va être important pour les Noirs de bien finir. Voilà, aller disputer le ballon en l'air. Ça, c'est bien fait. Ah, malheureusement, ils le perdent derrière. Ouais, c'est bien là. Le numéro 13 qui casse deux plaquages. Et du coup, les Blancs. Ah, oui, le coup à suivre, c'est bien joué ça. Et ça va aller au bout. Ou pas. Allez, faut rebondir tout de suite, c'est pas fini. Voilà, il y a encore des espaces à l'extérieur. Ah, malheureusement, il a mal contrôlé sa balle, je pense. Allez, ouais, bien joué du numéro 15 là qui fait l'effort de conserver. Et qui concentre plusieurs défenseurs. Ouais, le numéro 24 là qui casse bien le premier plaquage. Allez, ça écarte. Le 15, voilà, ça transmet. Allez, il y a encore du monde à l'extérieur. Ouais, ouais. Et c'est inscrit hein, par le numéro 13, Kélian Boissier. Et c'est pour la sélection française. Et ça commence à faire lourd comme score. Allez, c'est la fin du match. La transformation 40-17. Un score lourd. Hein. Très lourd. Un score lourd. Et malheureusement, à chaque fois que l'équipe en maillot noir a marqué, elle a pris un essai tout de suite derrière. Et attention, c'est pas fini parce que si je me trompe, le coup d'envoi va avoir lieu. L'essai qui a été inscrit avant la sirène. Et du coup, on est sur une dernière possession. Ah, très beau. Ouais, belle prise de balle. Très beau lift hein, qui permet une réception parfaite du ballon. Allez, attention à ne pas s'isoler. On va être en difficulté derrière quand ça va aller au sol. Ah, le numéro 20 qui est au grattage et qui va être récompensé. Allez, ça continue de jouer. Ils vont mettre un dernier essai. Oui, oui. Ah, attention, c'est pas fait encore. Il va falloir faire jouer. Non, il y va tout seul. Il y est. Et nouvel essai inscrit hein, par le numéro... Numéro 13 encore. Le numéro 13, Kélian Boissier encore une fois. Qui va clôturer cette rencontre. Il y a un faux air de Dan Carter. On lui souhaite la même carrière. Allez, le numéro 9 qui botte. Non, ça ne passe pas. C'est à gauche des poteaux. 45-17. Cette fois, c'est bien la fin du match. Vous pouvez les applaudir. Et voilà, belle victoire des Blancs. Ouais, une belle victoire. C'était la dernière rencontre pour aujourd'hui pour ce challenge moins de 16 et moins de 17, il nous reste une rencontre à suivre, hein, une rencontre féminine qui opposera l'équipe de France universitaire à l'équipe de France 7 développement.
Mais si on peut revenir un peu sur challenge moins de 16 et moins de 17. Oui, bien sûr. On a vu énormément, énormément de potentiel chez ces jeunes joueurs français. Beaucoup de vitesse, de jeu. On a vu très peu de ballons rendus à l'adversaire par du jeu au pied. Et c'est plaisant pour nous les spectateurs qui admirons le spectacle. Ouais, on voit de l'envie. En même temps, ces jeunes-là sont dans une sélection. Une sélection, ce sont, comme tu le disais tout à l'heure, parmi les 50 meilleurs joueurs qui sont retenus ici. Ils ont envie de se mettre en avant et de montrer de quoi ils sont capables. Ils ont envie et ils doivent, hein, parce que, on le rappelle, ces sélections-là qu'on voit aujourd'hui, elles sont mises en place pour préparer le championnat d'Europe qui aura lieu l'année prochaine. Et c'est les meilleurs qu'on verra ce week-end qui risquent fortement d'y participer. Donc il faut faire les efforts pour tous ces jeunes pour se montrer et montrer de quoi on est capable. Et ce championnat d'Europe là, c'est les jeunes, c'est les... Ouais, c'est un championnat d'Europe que sur la catégorie moins de 18 ans. D'accord. Donc on verra les jeunes qu'on voit à l'heure actuelle, moins de 16 et moins de 17 ans. D'accord. Voilà, c'est des joueurs qui peuvent aussi prétendre dans 2 ans aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Et pourquoi pas dans un petit peu plus longtemps en 2024 pour les grands Jeux Olympiques qu'on aura le plaisir d'accueillir ici en France. Et donc le championnat d'Europe des jeunes là, donc des moins de 18 ans, c'est un championnat d'Europe. Il n'y a pas de championnat d'Europe en rugby à 15, on a le tournoi destination, mais qui est considéré comme tel. Mais il n'y a pas d'équivalent en fait. Pas d'équivalent. On est sur le tournoi destination et un tournoi B avec des équipes qui considèrent un petit peu en dessous, comme la Géorgie, la Roumanie ou encore les Allemands ou les Belges. Ouais. Mais on n'a pas de rencontres comme à 7, comme des championnats d'Europe ou encore des championnats du monde. Allez, dans quelques minutes, ça va être le coup d'envoi de la dernière rencontre de la journée entre l'équipe de France universitaire et l'équipe France 7 développement. Match chez les féminines. On va assister à la sortie des joueuses. On a un stade magnifique encore, hein. La pelouse est belle, malgré qu'il y ait déjà eu des matchs, on voit que la pelouse se tient bien. Ouais, on a le plaisir hein, d'être accueillis dans un cadre magnifique ici au stade de la Vallée du Cher, avec la ville de Tours hein, qui fait énormément d'efforts pour mettre à disposition le terrain le mieux possible. Et vraiment, on les remercie hein, parce que ça permet aux acteurs de procurer du spectacle à tous les gens qui viennent ici ou alors qui nous suivent sur internet. On les en remercie encore une fois. Allez, ça va être l'entrée des joueuses sur le terrain. Allez, voilà. France Université en bleu marine. France 7 développement en blanc. Et ce sont les universitaires qui vont donner le coup d'envoi. Elles sont sous les ordres de l'arbitre. Allez, dans quelques secondes maintenant. Et voilà, les joueurs sont en place. Allez, ça va être parti pour cette rencontre. Allez, un premier coup de pied très long, très haut.
avec un en avant signalé, avantage en cours pour les Blancs. Allez, les filles de l'équipe France Développement qui sont à l'attaque, qui sortent de leur 22 mètres. Coup de pied à suivre. Et qui sort directement en touche. Donc ça sera joué à l'endroit où le coup de pied a été donné. Ça, c'est comme le rugby à 15, vous connaissez, il n'y a pas de problème. Si le ballon sort directement en touche alors que vous êtes en dehors de vos 22 mètres, eh bien la touche sera jouée à l'endroit où vous avez donné le coup de pied. Allez, lancé pour les universitaires. Oh, bien contré là, magnifique. Que dit l'arbitre? Position de hors-jeu, pénalité. Et les universitaires qui donc s'offrent un petit sursis avec cette faute. Et on y va plein fin. Hein. Ouais, malheureusement, on a perdu le ballon au contact. Ça va être une bonne munition pour l'équipe de France à cette développement. Ouais, le raffut. Allez, ouais, est-ce qu'il va y avoir les quatre pour finir? Faire jouer debout, 4. Magnifique. Et le soutien de la joueuse numéro 9. Oh, et le carton jaune qui va être distribué par l'arbitre. Ah, c'est un petit peu malheureux. On a vu l'équipe voilà, de France 7 développement. La joueuse de France 7 développement qui a un petit peu glissé sur sa reprise intérieure. Et malheureusement, l'adversaire qui vient attaquer au-delà des épaules l'attaquante. Voilà. Et là, on voit l'altruisme hein, de la joueuse, la numéro 10. Qui aurait pu y aller toute seule en puissance. Elle a préféré glisser la balle à sa partenaire pour qu'elle aille marquer l'essai entre les poteaux. 5-0 pour France Développement avec une transformation à suivre sans difficulté. Ça devrait passer. Voilà qui est fait. 7-0 pour France Développement. Bon, un carton jaune bon, un petit peu sévère à mon goût, mais bon, on va respecter la décision de l'arbitre bien évidemment. Alors c'est un peu sévère, mais surtout sur des plaquages comme ça ou quoi, c'est la règle, on peut pas la changer, on peut pas l'adapter. Malheureusement, le plaquage était au-dessus des épaules, donc c'est carton jaune. Allez, le coup de renvoi qui est donné par l'équipe A7 France Développement, réception de France Universitaire. Tout de suite, on va aller jouer sur la largeur. Ah, une approximation, ouais, ouais. Coup de sifflet de l'arbitre, hein. Petit en avant. C'est dommage, hein, première possession qu'on avait du côté de France Universitaire et par une petite imprécision, c'est un ballon rendu et là on va se retrouver en grosse difficulté. On rappelle qu'ils viennent de prendre un carton jaune. On va se retrouver en situation de sous-nombre et il va bien falloir la gérer du côté de France A7 Universitaire. Allez, une sortie de mêlée rapide. Allez, venir combler sur la vitesse. Voilà, c'est bien défendu pour l'instant. Le ballon, on passe par le sol. On insiste côté fermé. Allez, ça transmet. Ouais, c'est bien. Il y a un décalage. Oh oui, bien joué. Allez, le deuxième essai. Essai pour France 7 Développement. Et c'est l'essai inscrit hein, par. Allez, ce qui est transformé. Le score 14. France 7 Développement. Allez, 14 à 7 pour France Développement. Les universitaires qui n'y arrivent pas. Hein. Offensivement, elles n'ont pas eu beaucoup de munitions. Elles n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et puis défensivement, elles sont un petit peu prises de vitesse. C'est la numéro 12 hein, qui gagne, qui marque l'essai. Allez, le carton jaune hein, de France Universitaire qui est revenu sur le terrain. On se retrouve à 7 contre 7. Allez, le ballon qui est libéré. Oui, finalement, ça y est. Allez, les universitaires qui peuvent repartir à l'attaque. Mais tout de suite, la défense qui monte. Allez, on renverse. C'est pas mal, ça. Le soutien, ouais, mais la présence de la défense tout de suite, elle était hors jeu. Allez, la joueuse numéro 3.
joue sur la vitesse, des passes trop approximatives, malheureusement. Allez, il y a un peu du soutien. Voilà, c'est fait. Alors qu'il y a une joueuse de France Développement là qui reste au sol, qui a été touchée apparemment sur un contact. Le soigneur arrive. Allez, faut aller chercher les extérieurs, on a du surnombre. On se retrouve sur un 2 contre 1. Si c'est bien géré, ça va aller derrière la ligne. Allez, maintenant, faut mettre les cannes. Voilà, c'est fait. Ouais, c'est bien fait, hein, de France Universitaire. Ça sera un essai inscrit par la numéro 7, Margot Vital. L'équipe de France Universitaire qui profite de la blessure d'une joueuse de l'équipe de France A7. Développement pour se retrouver en surnombre et aller exploiter des espaces libres. Et ça leur permet de revenir un petit peu au score. Hein, à la mi. Allez, la joueuse de France Développement qui se relève. Elle est touchée à la cheville apparemment. Ça a l'air d'aller, elle reprend sa place. Allez, France Université qui va pouvoir taper cette remise en jeu. Allez, c'est France Développement qui a la balle, qui repart de ses 22 mètres. Oh, une belle percée là, la Chistera. Allez, la vitesse de pointe là de la joueuse numéro 4. Qui trouve du magnifique soutien. Le soutien. Magnifique. Et ça, c'est très bien joué. On a vu hein, de la part de la joueuse de France à cette développement qu'elle n'arriverait pas à aller jusqu'au bout et à finir l'action. Alors, elle a décidé de couper son effort pour attendre son soutien. Et derrière, on arrive avec de la vitesse dans l'axe. Et on peut amener de la continuité et franchir pour finir l'action. Et alors que l'équipe de France Universitaire avait recollé au score il n'y a pas longtemps, tout de suite derrière, l'équipe de France Développement qui sanctionne les petites erreurs défensives et qui prennent encore un petit peu plus d'avance. Ça fait 21-7 pour l'instant pour l'équipe de France Développement. Allez, la remise en jeu. Allez, ils ont tenté un petit coup de... Comme les garçons tout à l'heure, hein, un jeu de pied court pour le récupérer. Mais malheureusement, le ballon n'avait pas franchi les 10 mètres. Donc, coup franc pour France Université. Alors, attention, le plaquage qui était un petit peu haut. Pas d'avantage de la part de l'arbitre. Allez, les joueurs universitaires là qui s'envoient. Allez, bon retour défensif de la numéro 2. Voilà, il faut jouer là. Le soutien qui tarde un petit peu, ça arrive. Allez, on écarte. La numéro 6, allez. Et l'arbitre qui signale un en avant. Et qui siffle la mi-temps sur cette dernière action. On fait une courte pause, on se retrouve juste après pour la deuxième mi-temps. A tout de suite. Alouette, tour 90-1 Alouette. Alouette.
Ce n'est pas le monde qui avance. C'est vous qui le faites avancer. C'est vous l'avenir. Société Générale. Il aura lieu demain aux alentours de... Il n'est pas que aux alentours à 18h32 exactement. C'est la finale du Chantal Cox qui se déroulera demain sur le terrain. Numéro 6. Allez, c'est reparti. Dans quelques secondes là pour la seconde période de ce match entre l'équipe féminine France Développement et l'équipe féminine France Université. Donc on va être donné par l'équipe France Développement en blanc. D'ici quelques secondes sous les ordres de l'arbitre. Attention, c'est parti. Je rappelle le score 21-7 pour France Développement. 3 essais à 1. Et là, ce sont les universitaires qui ont le ballon dans leurs 22 mètres. Attention, premier grattage de France Asset Développement. On arrive à récupérer le ballon. On va pouvoir aller exploiter la largeur. Un coup de pied à suivre. Est-ce que ça va pouvoir être fini? Non, malheureusement, le coup de pied qui va sortir en ballon mort. C'est un peu dommage. On venait de récupérer une possession et on la rend juste derrière alors qu'on aurait pu un petit peu patienter et prendre son temps. On va repartir avec un renvoi au 22 pour France Asset Universitaire. Allez, les universitaires là, qui essayent d'enfoncer la ligne défensive mais qui n'y parvient pas. Du coup, on essaye sur la largeur. Ouf, gros plaquage là. Et malgré la grosse défense, on arrive à conserver le ballon. Mais vous avez vu la libération du ballon qui a été ralentie du coup. Et la défense derrière qui est replacée de France Asset Développement. Allez, les universitaires qui insistent. Allez, côté gauche là, on essaye de mettre de la vitesse mais on n'y parvient pas. Le rideau défensif de l'équipe France Développement est bien en place. Ouais, grosse défense encore. Ah ouais, ça. Ah oui, belle feinte. Et l'échappée, ouais, mais elle va être reprise. Allez, pas perdre le ballon. Allez, ah, c'est dommage, le contre-ruck positif de l'équipe France Asset Développement qui va tout de suite repartir à la contre-attaque. Et ça, renouveau turnover. Ballon récupéré par France Asset Universitaire. Allez, on joue un petit peu dans le désordre. Elle arrive à s'échapper. Est-ce qu'elle va pouvoir conclure? Non, malheureusement pas. Allez, faut sortir le ballon d'ici. Il y a énormément de joueuses. Ça a du mal à suivre. De gros espaces sur les extérieurs. Ah oui, la fin de départ à gauche. Et puis on revient à droite. C'est pas mal. Ouais, magnifique. Et ça va aller à l'essai. Très, très belle séquence. Très belle action. Très bien joué de la part de l'équipe de France Universitaire. Et c'est Meg Mampé qui vient conclure l'action pour France Asset Universitaire et qui recolle un petit peu au score. Ça fait 21-14 en faveur de France Asset Développement. Le coup de renvoi qui va être important pour France Asset Universitaire, il serait judicieux de pouvoir aller le disputer, de récupérer la possession du ballon. Ouais. Alors que là, on revoit le début de l'action avec ce gros, gros plaquage là. Et la joueuse qui a les ressources physiques pour conserver la balle et permettre à ses coéquipières d'aller marquer un essai. Allez, c'est le ballon qui est remis en jeu. Et c'est l'équipe France Développement qui a la balle. Et l'arbitre qui sanctionne la plaqueuse qui ne s'est pas sortie de la zone. Allez, du coup, l'équipe universitaire qui reprend un petit peu du poil de la bête. Et la numéro 10 qui va aller à l'essai. Et c'est Carla Abrez qui vient de conclure cette action. Et mine de rien, hein, l'équipe de France Universitaire qui remonte au score avec la transformation. On pourrait revenir à égalité. Et tous les efforts qui avaient été faits par France Asset Développement compte pour du beurre pour l'instant, avec France Asset Universitaire qui a réussi à recoller au score. Allez, la transformation qui passe sans problème. 21 partout, tout reste à faire.
rivalité entre les deux équipes. On a bien sûr d'encourager les deux équipes, s'il vous plaît. Un gros, gros match ce soir. Allez. 21-21. Allez, les France Université qui va donner le, qui va faire la remise en jeu, essayer de récupérer le ballon, mais c'est France Développement qui l'a finalement. Allez, Ruck, il va falloir passer par le sol, impeccable, on arrive à libérer le ballon proprement. Le retour intérieur de la part du numéro 12. Allez, là, il n'y a pas de solution là sur le côté. Il va falloir revenir. Essayer de conserver le ballon, surtout. Voilà. Allez, un avantage pour France Asset Développement. Le plaqueur qui n'est pas sorti de la zone. Allez, la vitesse de pointe, là. Mais elle est un petit peu seule. Elle est isolée. Allez, il faut sortir le ballon d'ici. Il y a des espaces sur les extérieurs. Allez, malheureusement, une petite faute de main. En avant. Petite faute de main de la part de France Asset Développement qui va rendre le ballon à cette équipe de France Universitaire. Allez, une grosse mêlée là dans les 22 mètres. Allez, introduction pour France Universitaire, mais on est dans leur 22 mètres. Elles sortent rapidement la balle, c'est ce qu'il fallait. Allez, absolument pas perdre le ballon. Malheureusement, c'est fait. Malheureusement pour elles. Allez, France Développement à l'attaque, encore du jeu au pied. Elle pousse. Est-ce qu'elle va pouvoir finir? Oui, oui. Et l'essai pour France Développement. Et c'est conclu par la numéro 11. France Développement dont on n'a pas le nom. Ouais, on peut le dire. Sur nos feuilles, on n'a pas tous les noms des équipes. On s'excuse hein, si on ne peut pas vous donner les noms à chaque fois que quelqu'un marque. On essaie de faire au mieux. Allez, la transformation. Est pas évidente de cet endroit là. La joue qui s'applique et ça passe, magnifique! Ouais, magnifique! 28-21 pour France Développement. Que vont faire nos universitaires? Et ça va être important hein, si France Asset Développement veulent valider leur petite avance là, de mettre énormément de pression sous le point de chute du ballon. Et au lieu de ça, elle joue un ballon long pour tenter d'occuper le terrain, mais les universitaires pour l'instant se débrouillent pas mal. Elles évitent la touche. Non. Ouais, grosse défense hein, de France Asset Développement qui viennent valider leur victoire avec cette belle défense. Et qui prennent leur revanche hein, sur leur premier match. On les sait, elles avaient perdu face à l'équipe de Belgique. Et là, elles viennent prendre une victoire face à cette très belle France, équipe de France Universitaire hein, qui n'a pas démérité, qui a réussi à revenir au score pendant la deuxième partie de ce match. Mais malheureusement, qui s'incline à la fin. Voilà, c'est la fin de cette première journée au Worthington 7. On vous donne rendez-vous demain en fin de matinée pour suivre la suite de la compétition. En attendant, on vous souhaite une excellente soirée. Et puis, ben voilà, en espérant qu'on ait encore du spectacle. Hein, on va avoir les masculins, on va avoir les équipes de France. Oui, on va avoir les masculins. De Géorgie. Exactement. Là, pour l'instant, vous avez pu suivre que le challenge moins de 16 et moins de 17 hommes. Et le challenge... Chantal Codes féminin. Et du coup, l'année prochaine, enfin pas l'année prochaine, mais demain, elle me perturbe les caméramans. Ah ouais. Et du coup, demain, c'est on nickel, se retrouvera ça. Pour le challenge au Worthington, le grand challenge au Worthington avec deux poules avec que des équipes nationales dedans. On aura notamment l'équipe de Nouvelle-Zélande, l'équipe d'Italie, la Géorgie, l'Allemagne et tout ça. Ça promet du beau. Et puis on aura aussi le circuit élite
avec toutes les équipes de France, enfin toutes les équipes françaises universitaires, enfin françaises de rugby à 7, qui s'affronteront demain sur les stades annexes de la vallée du Cher. Allez, on vous dit à demain en fin de matinée. On vous souhaite une excellente soirée. À demain, on compte sur vous. À demain, ciao ciao. En région Centre-Val de Loire, on dit que les jardins ont des secrets. Les secrets de l'histoire de France. Les secrets de la douceur de vivre. Des secrets qu'on se tient à l'oreille. Les secrets des vieilles pierres. Les secrets de la nature. Les secrets de la culture. Nature et culture, l'exceptionnelle rencontre. Région Centre-Val de Loire. Cut, just cut for me, mommy. Oh, cut, DJ, donne du son pour qu'on les réveille. Cut, just cut for me, mommy. Oh, cut, DJ, donne du son pour qu'on les réveille. Bad, c'est bien, bro. Continue comme ça, bro. C'est bon. Alouette, Tour 90.1 Alouette. Alouette,